Les amis, hello à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une PS4 client. Il nous dit, lecteur CD ne rend pas le disque directement et le CD n'est pas détecté. C'est une console et aussi, pardon, le bouton on-off est parti. Alors, il est vrai que sur ces PS2-là, sur ces PS4-là, pardon, ça arrive. C'est la deuxième série que ces petits boutons là, ça soit un peu merdique et du coup ils s'en aillent. Je l'ai déjà vu, au pire le bouton s'achète, c'est vraiment pas grave. En soi, j'aurais pu la dépanner, regarder pourquoi les rouleaux, bref, crache pas. Mais comme il n'y a aucune vis. Ni là, ni là. Et qu'il est impossible que cette console lui ait été vendue comme ça. Parce que voilà, je veux bien que par moment, des fois, les consoles soient peut-être pas tout le temps démontées pour être complètement nettoyées ou autre. Certes, peut-être, mais en général, en plus, elles sont tout le temps soufflées pour justement les nettoyer. Donc là, à mon avis, on va avoir des belles surprises. Alors, je ne l'ai pas encore ouverte, mais comme ça, je me suis dit qu'on allait le faire ensemble. Après, j'ai effectivement une PS4 Pro à faire. Est-ce qu'on la fera ensemble ou pas? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on la fasse ensemble. On peut la faire ensemble, sachant que elle fait gloum gloum. Très étrange. Très étrange. Donc si vous voulez qu'on la fasse ensemble dans les commentaires, vous me dites. Et à ce compte-là, eh ben, je ferai une vidéo dessus demain. Allez. Démontons. Couvercle. Ah. Alors. Là, il manque une vis. Là, il manque une vis. Celle-là, elle est démontée, et celle-là, elle est démontée. Démontée. Et là, il manque les vis. Déjà, on est pas mal. Et là, ça bouge dans tous les sens. Oula. Oh putain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non mais... Ils se sont acharnés, mais un truc de fou. Sur les vis. Oh la vache. S'ils ont tapé comme ça, sachant que le bouton là, il est dessous. On est d'accord que il ne doit plus exister bien beaucoup le bouton. Oh putain. Pardon pour le gros mot, c'est pas bien. Mais là, on est sur quelque chose de pas mal quand même. Et donc je vous le mets dans le mille, hein. Ma console marche plus. Merci de m'en donner une autre. Mais oui, bien sûr. Et la marmotte, elle met le chocolat. Elle est bien longue, cette nappe. Celle-là, elle n'est même pas branchée. Oui, oui. Même pas par où commencer en fait, tellement c'est le merdier. Oh, quelle galère. Ouais, bon, soi, hein, vous comprenez bien que je vais prendre quelques photos et que ça sera absolument pas pris en garantie. Ça, c'est hors de question qu'on garantisse quoi que ce soit là-dessus. Faut arrêter de prendre les gens pour des nouilles. Hein. Bon.
Voilà, il tient même pour ça là. Je serais curieux de savoir pourquoi cette nappe est si longue. Parce que normalement, elle est pas longue comme ça. Ils auraient remis la seule vis qui saoule? Non, c'est possible. Waouh! Putain de sou. L'état de ça. La vache. Oh les cochons. Les cochons. Oups. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Putain, j'arrive même pas à l'enlever. Inenlevable. Bon, cela dit, là c'est vite démonté, hein, la 3 vis. J'arrive pas à comprendre, c'est à quel moment vous avez une console qui est sous garantie que vous avez acheté il y a le 24 février. 24 février, février, mars, avril, à 2 mois. À quel moment, en 2 mois, tu te dis pas, non, je vais la ramener quand même, plutôt que de l'ouvrir soi-même. Oh putain, il n'y a aucun pad. Oh là là, regardez. Aucun pad. Alors là, il y en a un qui est à côté. Et là, il y en a un. Oh là là. Ouais, ben elle doit chauffer aussi un peu. Je suis voilà, je sais pas quoi vous dire, c'est extraordinaire. On est sur du beau, on est sur du beau. Bon, je vais arrêter là la catastrophe écologique, ça sert à rien. Je sais même pas comment ils ont fait pour bloquer l'alimentation, donc à mon avis ils ont dû tordre les pattes de la carte mère. Ce qui fait que du coup, on ne peut même pas démonter l'alimentation parce que les pattes d'alimentation sont là. Elles sont traversantes et vont dans la carte d'alimentation pour récupérer le courant. Donc le courant passe par là, hop, passe là-dedans pour aller monter le secondaire et le primaire sur la carte mère. Et à mon avis, ils ont dû... Oh putain!
Ouais. Ouais, c'est pas possible. Ça, c'est pas branché. Ça, c'est pas branché. Il n'y a rien de branché en fait. Un habitant. Non, mais c'est pas possible. Ils ont acheté la console et ils en ont fait passer une autre avec le ticket. C'est un truc de malade. Et ben alors là, je vais arrêter là le massacre, ça me déprime. Oh putain, quelle horreur, mais quelle horreur! Voilà pourquoi la nappe, elle est longue. Elle n'est pas branchée non plus. Et bah dis donc, pauvre console. Bon, allez, les amis, on va arrêter là. Je vais tout remonter. Et puis bah malheureusement, hein, on va rien pouvoir pour elle. Et puis surtout, le client va se démerder avec sa daube. Bon, eh ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, plus ou moins. Mais n'hésitez pas à mettre un pouce à celle-ci si vous l'avez aimée, à vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait. Surtout, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Et surtout, faites pas ça. Ça aussi, c'est très important. Faut pas faire ça. À bientôt. Bye bye.